Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre l'émission ça qui c'est Focus Info. Il y a une émission qui sortit en NAP, Nord, Agence Presse, dans le pays d'Haïti. Nouvelle là, qui marque l'actualité pour édition ça, c'est le ministre de l'Éducation nationale dans le pays d'Haïti, Monsieur Nesmi Maniga, qui visitait la deuxième ville pays cap-haïtien. C'était mardi 1er février 2022, dans l'idée pour faire une évaluation, une visite d'évaluation de quantité de dégâts que gros inondation 31 janvier 2022 a été fait dans le cap-haïtien, particulièrement dans l'école. D'après Monsieur Nesmi Maniga, il y a environ 6 l'école qui servit d'abri provisoire. L'école a fonctionné au ralenti à cause de problèmes d'inondation. Ça a déclaration ministre de l'Éducation dans le pays d'Haïti, M. Nesmi Maniga. Prix salarial 2014, nan, n'a actualisé pour mettre à jour. Ça, c'est pour parmi les dossiers qui sont prioritaires. Grand pile dossier qui a commencé tout, qui va continuer, tant que la réforme sur le curriculum, nan, en particulier encadrer le curriculum secondaire. Nan. Ça veut dire qui ça? Aujourd'hui, un jeune haïtien qui a sorti l'école, il est supposé gagner plus de compétences pour être capable de vivre dans le 21e siècle. C'est pour ça que nouveau secondaire vient avec un pile nouveau cours, un pile nouvelle matière, économie, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et esthétique. C'est pour ça qu'il y a plusieurs séries, séries éducation et économie, et séries et SVT, qui sont séries extrêmement importantes qui permettent de nous former des éco-citoyens. Moun ki plus sensible à question dégradation environnement, moun ki pral gen citoyen ki pral gen plus réflexe sou ki jan pou protéger terre sa côté na vivre là-dedans. Nouveau secondaire gòn lòt bay ki extrêmement important, c'est parti métier, parti formation technique avec professionnel. Li pa normal pour tout moun k'ap formé nan pays an, seul issu ki yo gen c'est pou ingénieur, docteur, avocat pou entrer dans université. On ti moun de pou sorti nan 9e année fondamentale. Faut une option pour apprendre métier, métier manuel ou métier technique, métier professionnel. Ça c'est plus gros besoin à utiliser aujourd'hui. C'est plus gros menti n'a pas tête nous, l'enlever tout le monde, avocat, ingénieur, docteur. Système éducatif pas supposé travail pour le monde métier et nous valoriser métier. Nos familles qui gagnent monde qui fait métier manuel, professionnel, technicien, c'est eux même qui baille monde capable apprendre agronomie, médecine, manger avant parce que c'est eux qui gagnent plus possibilité pour travailler. Donc ces réformes ça va continuer aujourd'hui. De l'autre côté, Nesmi Maniga, que j'ai dit tout à l'heure, qui est ministre de l'Éducation dans le pays d'Haïti, il fait connaître qu'il y a un travail pour améliorer la qualité de l'éducation dans le pays à travers des stratégies extrêmement importantes. Les stratégies ici, là, c'est non seulement permettre que les enseignants eux-mêmes aient plus de formation, mais tout contrôler quel type de monde qui peut rentrer dans le système éducatif là, qui peut avoir une responsabilité pour éduquer les gens dans le pays d'Haïti. Il y a deux gens qui approchent par compétence en marché. Yon, faut qu'effectivement élève yo capable doter de laboratoire. Ça veut dire que l'école yo gen matériel didactique et équipement tout qui permet ça faire. Gen une solution ministère pour envisager qu'on est. Nous gen plusieurs écoles professionnelles qui récemment construit y compris dans ville cap-haïtien. Yo gen pile équipement qui fonctionnait à certaines heures de la journée. Ça veut dire que même je ne vois FACAP, c'est des lieux côté gain des équipements que les écoles capables, écoles associées capables d'utiliser en réseau. C'est même gens. N'a pas envisagé que côté l'école, il y a pour gain laboratoire, côté pour gain équipement, côté que l'État déjà construit dans l'école professionnelle, c'est bail possibilité pour que l'école secondaire ça y a, en réseau avec l'école professionnelle ça y a, et utiliser laboratoire avec équipement disponible. Côté ça pour coexister, naturellement, on va gagner l'autre moyen, c'est investir pour qu'approche par compétence là, fait tout le monde. Une deuxième partie qui est importante, c'est que salle de classe là c'est une, mais dans le siècle que nous vivons là, faut que gagne possibilité que les élèves aient accès à un pile matériel qui existe en ligne et avec téléphone, avec une tablette et un gris salarial. Son bagage qui pas seulement yon barème qui dit tout le monde touche tant, li utilise plusieurs critères qui échelon moun nan gen, qui diplôme moun nan gen, qui j'aime moun nan, qui nombre d'années d'expérience que le gen, qui j'en évolue dans le système nan, et puis li gen des échelons. Et li fait pour que li encourage moun yo pratiquer l'excellence et mériter salaire que yon gen. Li te fait en 2014, non contexte gen au niveau d'inflation particulier, et jodi an,
méthodologie, nous avons toujours utilisé, mais nous pas utilisé encore. Je dis qu'il faut actualiser la grille 2014 ans parce que 7 ans après, les données ont changé et il faut que nous soyons capables de réévaluer ce qui a été fait. Donc, nous ne pouvons pas retourner sur l'ancien chiffre. Nous pouvons utiliser la méthodologie, impliquer le ministère des Finances, impliquer l'OMH. Ça, c'est bien. Quand je suis bien de ça en pile, je comprends que la précarité des conditions de vie enseignant fait que vous avez besoin d'un complément. Ministère a réfléchi sur ça dans le contexte où moi-même, son ministre, dans le gouvernement de transition. Ça veut dire que nous constituons très courte, nous avons géré urgence, nous comprenons urgence, condition de la vie enseignant, nous avons fait avec le ministère des Finances une réflexion pour ça. Je ne pas qu'à faire une annonce, Josien, pour nous dire, mais à qui date, mais qui solution pour ça. Ça nous a commencé à proposer dans le ministère là, en plus de ça que l'enseignement depuis 4 débits, c'est 4 avantages d'éducation. Plusieurs fois nous expliquer ça. Ça vient très bientôt. C'est un pile compagnie qui décide by tout enseignant qui détenteur d'un permis provisoire d'enseigner en réduction, en rabais sous type de produit que a consommé. Nous avons gagné plusieurs types de compagnies, que ce soit banque, que ce soit compagnie qui vend livres, ordinateurs, tablettes, qui étaient déjà d'accord. Depuis son enseignant qui a permis provisoire, la réduction dans la page terre. L'autre information, il y a un secteur handicapé à tout qui réagit par rapport à la situation handicapée dans un moment difficile, inondation 31 janvier 2022. Il y a un responsable mouvement intégration et émancipation femmes handicapées, Madame Régine Diègue Zéphirin, qui fait qu'on est que la pile démarche que lui-même dans le niveau organisation par là t'es fait pour permettre que y ait plusieurs monde handicapés qui t'est arrivé évacués pendant inondation. De l'autre côté, Madame Diègue Zéphirin mandé l'État haïtien pour capable voyer plus attention, porter plus attention par rapport à monde handicapé, surtout dans le moment catastrophe naturelle, notamment tremblement de terre avec inondation. Et normalement, chaque fois qu'il y a inondation ou bien il y a un mauvais temps, nous toujours un appel ça de la part de mon handicapé en tant que leader, mon qui travaille avec mon cap de déficience. Il y a toujours des gens qui pourraient nous demander nos secours, aider nous retirer ça, aider nous faire ça. Madame Régine nous pas faire ça, Madame Régine nous pas ça. Donc, et malheureusement, c'est toujours dans la même situation ça que nous, chaque fois qu'il y a mauvais temps. Hier soir, il était 9h, les il y a un monsieur qui est le col que je ne connais pas, il dit qu'il y a 2-3 personnes qui sont en difficulté en densité du peuple dans le fond. Et de là étant, quand nous commençons à prendre connaissance, il y a Fort Saint-Michel qui est en pile de monde dans Fort Saint-Michel, que nous sommes obligés de déplacer. Nous avons des gens sans raison, nous avons des gens sauf Vincent. Il y a pile côté qui est des gens qui sont affectés. Nous sommes obligés de faire des marches premières. Et reflet nous c'était contacter magistrat nous te relé madame Ifos nous pas joindre nous relé monsieur Patrick nous pas joindre non insister finalement répondre nous les bombes les dit me relé encore la bombe numéro pour me relé DPC me pas joindre numéro nous a pas bon les me relé encore les bombes l'autre pour me relé pompier les me relé monsieur sans encore téléphone n'a pas bon finalement donc c'est nous même qui t'ai dégagé nous ouais ça nous café parce que nous pas joindre quelle autorité pas qu'a dit au de nous déplacer quel moi gagne madame non particulièrement qui au terrain les pour lui sœur Kikine ce matin à 5h du matin que nous déplacer fait toute nuit qu'a fait des marches nous pas jamais joindre personne qui aider nous à comprendre malheureusement et ça t'a demandé en termes de planification pour l'état et t'a penché plus sur secteur ça particulièrement si nous t'arrivé dans situation côté et qu'il y a une tempérie qui frappe ville là ou bien n'importe l'autre catastrophe naturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur ça, c'est un secteur qui est pratiquement monde qui est à risque. Premièrement. Qui est vulnérable par contre. Premièrement, nous avons un bureau pour le secrétaire d'État mon handicapé qui est dans le nord, que je travaille là-dedans comme numéro 2. Nous n'avons pas aucun moyen du tout. Quel moyen du tout pour nous aider mon gens. Dans l'instant, nous avons des bottes, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons pour aller de mouillot. Actuellement, le bureau est tellement plat à terre, donc derrière son bureau est fermé, que vous venez de l'ouvrir. Donc, rien du tout. En tant que leader d'association, ou pas de moyens, moyens économiques du tout pour aider mon gens. Ça, notamment de l'État, c'est
surtout penser à moun sa yo. Ce sont des moun qui pas ka déplacer yo seul yo. Ce sont des moun qui pas ouais, moun qui pas attendre. Donc il tap mieux que gagner yon nan nou di yon groupe moun, yon besoin penser spécial pour moun sa yo. Yon façon que OK gagner yon groupe moun qui là qui connaît OK lègue tempéri, yon responsable de placer moun sa yo. Laisse ça moi même qui en bureau ou bien moi même qui comme leader moun et association mon handicapé m'a connais mais qui moun pour me reler pour aller bien me déplacer tel mais qui côté lié moi t'a canaliser ou monter au côté mon arrêté mais ou t'a ka joindre moyen pour déplacer mon yom. So madame nous fait toute nuit quand l'eau a monter la pleine reler toute la nuit m'a pas une personne pour aller bien me déplacer. On a toujours été une question inondation gagné un magistrat cap haïtien yo monsieur Patrick Almono qui déclaré dans micro focus info gagne un bilan partiel qui déjà établi de gros dégâts la pluie en fait dans cap haïtien il parlait de environ 1500 moun qui trouvé dans abri provisoire il parlait de rencontre qui a fait dans niveau mairien avec nos structures pour protection civile avec pompiers pour garder quel type de réponse que yo pas bail face à situation difficile, moun sa yo. Bon, j'en ai voilà, c'est que le premier qui a été fait parce que son mari est mauvais. Évidemment, zone qui habitue sinistre, qui habitue inondée, c'est des zones qui travaillent plus de 20 ans, qui ont été victimes de gens d'inondation sa yo. Malheureusement, nous, je dis à moi, c'est que le premier qui a été fait, nous n'avons pas réagi, ça nous a fait une évaluation de la situation. C'est-à-dire d'abord, pour qu'on ait situation, faut voir zone mieux, faut voir problème mieux, faut qu'on ait un niveau de l'eau à monter pour qu'on ait qui gens capables de réagir. Et ça fait que la première étape que je fais, et moi qui n'ai pas de soucis comme ça, ça va être d'abord, c'est d'abord faire une évaluation des dégâts. Et ça fait que pour une visite que je fais, ce n'est pas pour faire une intervention dans l'immédiat ou bien pour faire une intervention et rapide, mais c'est peut-être pour faire plutôt une bonne idée de dégâts et connaître qui gens, qui type d'intervention chaque zone demande. Et c'est pour l'étape ça que je fais, mais c'est pas parce que nous avons visité, mais nous n'avons pas d'obligation de faire dans l'immédiat parce que nous ne connaissons pas comment zone, chaque zone de ça fait que un, nous faisons une évaluation. Et c'est ça qui donne aujourd'hui, et nous automatiquement, nous, et ça t'a garanti, nous rendons opérationnel plus. Capaï, c'est comme nous, il y a un site provisoire. Mais et pour le moment, nous ça garanti nous activer 4 mètres. Parce que nous varions en fonction de zone. C'est-à-dire qu'au niveau centre de village, nous sommes en gagnant et Santa Carrie et Gymnasium. Mais l'eau, Jacques Georges, c'est des sécurités qui ne sont pas activées parce que nous sommes en haut dans la zone de Bande du Nord et des quartiers, loyers, pas de problème. Pas de boulot, mais ça fait que nous ne sommes pas activés. Mais nous activons les tabernacles, qui est un site qui vient. Nous activons les lycées Breda. Parce qu'on est une zone du Cap Labour, toute zone ça inondée, c'est-à-dire nous-mêmes nous obligés d'activer ça. Ça pour nous, ça comme un rapport partiel de jusqu'à présent que nous là. Nous regardons dans ces lycées à la Carona, nous gagnons à peu près 350 personnes. 350 personnes, nous gagnons 105 filles, les 80 garçons, nous gagnons 165 enfants. Ça permet que leur côté aide pour nous, au plus ou moins, on est garçon, fille, parce qu'il y en a beaucoup qui toujours gagnent chaque année, c'est que leur côté aide, mais là, on a pas aide, mais par contre, qui garçon, qui fille, ça veut dire que nous-mêmes nous obligés de faire l'opération avec protection civile. Parce qu'en Amérique, il y a des coups là et des coups là qui sont au niveau département. Mais c'est ensemble des coups de chaque commune victime qui ont un rapport qui allait au niveau coup, au niveau délégation départementale. Nous-mêmes au niveau coup, pas nous, qui ouais la capture à la qui sont ça, que nous travaillons. Deuxième station, c'est le gymnase de l'Anzouti. Le gymnase de l'Anzouti, il y a 17 personnes. Il y a là-dedans 7 enfants et puis 10 adultes. Qui en dans gymnase. Lycée Breda, il y a 135 personnes, il y a 65 femmes, 25 garçons, 16 fillettes et 19 petits garçons. Nous avons l'église Tabernacle, il y a 400 personnes, il y a 126 femmes, 120 enfants, 146 filles et 134 garçons. Nous avons une fondation qui est tout prêt à tout que nous jusqu'à présent, mais nous avons mis les gens. C'est-à-dire, grosso modo, ça va nous avoir 902 personnes qui en dans et 4 abris provisoires pour que nous avons même là pour alimenter. En l'autre bagage pour faciliter le même. Mais est-ce que vous avez une possibilité ou une démarche qui a fait pour réactiver l'appareil qui était pratiquement pourri dans le rigueur du Cap qui était là pratiquement pour déglinguer la rivière?
pour éviter ça de passer là. Oui, normalement, c'est son matériel que c'est agriculture probablement, parce qu'il n'y a pas de mairie, hein, c'est ma mère qui a fait derrière là. Mais son travail qui a fait de délégation, hein, et agriculture, avec la présidence à l'époque. Donc on est politique, président de mourir, il y a une bagarre qui vient vous dire presque. On a demandé pour réactiver, il faut regarder ça avec la délégation, hein, avec le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils sont, on va pouvoir son appareil qui sont son badge, il a déjà, qui a fait là. Malheureusement, il a recommencé, et on va si tu n'as pas fait le temps, il y a beaucoup plus mal, mais l'on regarde par exemple, quand qui m'a mal visité sous pont, et les gens regardé un bon cas qui fait un bas pont. Et tout doit monter une hauteur. Et c'est le cas qui va se déplacer, qui va écraser, mais comment pas la voie qui va virer pour virer pour effet ça. On a maintenant il était sur la voie, il y a un problème, pas connaître, mais j'en dis à qui va regarder avec les gars, et responsable de l'agriculture pour connaître. Haïti politique, il y a un pasteur Raphaël Mathieu qui est responsable de l'organisation pour développement et transformation pays d'Haïti qui t'est parlé avec Focus Info. Côté, il fait état de situation lamentable et déplorable à la ville capahitienne. Il déploré situation capahitienne qui, d'après lui-même, si on a, c'était la capitale de la Caraïbe. Mais je vous dis, par rapport à Fatra, par rapport à mauvaise gouvernance, donc deuxième ville pays a lui-même l'y plongé dans grande difficulté. Deuxième ville pays a vint pas gagner une image de qualité, tant qu'image de qualité que j'ai toujours gagné et ça fait longtemps. Mais dans ça qui est arrivé, Capahitien, mais c'est yo qui devine ni sénateur, ni député, ni maïsa, ni président, yo considéré la ville de Capahitien comme enfant sans famille, enfant sans parents. C'est-à-dire, la ville du Cap, li dans la rue. Il n'y a pas monde qui a voué Jésus. Et moi, je crois que c'est ça qui fait que nous arrivons dans cette situation. Et si nous arrivons dans cette situation, le pays a abcrasé, la ville capahitienne, si on vit, ville Fatra, il y a une ville qui est la première capitale de la Caraïbe. Mais je dis, nous considérons la ville capahitienne comme une ville de Fatra. Pour qui ça? Est-ce que parce qu'il y a un peu de monde? Non, ce n'est pas vrai. La ville de New York y a environ 13 millions de monde. L'on passe dans l'après-midi, ouais, pour Belio, il y a Fatra dans yo, 24-5 heures l'après-midi. L'on passe à 5 heures du matin, on ne peut pas venir sur Fatra. Parce qu'il y a des gens qui gèrent la ville là. Il y a des gens qui gèrent ça. Mais ici, dans la ville parisien, pas de monde. Bon, moi je crois que les gens ont un problème qui pose et comment pour résoudre ce problème là. Ma petite population ça. Faut nous t'amener les têtes ensemble à élaborer des projets pour nous être capables eh bien faire courage maintenant, voyez de l'eau directement dans la mer et puis n'a pas de problème. Le problème là c'est pas ni cette souvenir, c'est pas ni la cachier, c'est pas n'est-ce pas vétier qui problème là est. C'est pas carénage problème là, le problème là c'est dans bon là. Si problème là ou besoin connait quoi le problème là. Le fait que nous connaissons le problème là, eh bien nous besoin organiser ville là, organiser citoyens yo, finalement faire un projet, finalement nous soutenir dans problème là. Et puis rebrasser maintenant. Maintenant, il y a un problème blocus dans le Cap-Haïtien. Problème blocus encore. Moi pas attendre aucun monde qui dit c'est chef dans département qui j'aime penser ville capahitienne pas de faire pour tout le monde ça, mais si que les gars tout le monde ça veut dire, faut que nous ouvrions notre route, faut que nous ouvrions notre pont, faut que n'est-ce pas nous faire ça autoroute, parce que mon yo voyager, yo va côté pays fonctionner. Maintenant on peut que ville capahitienne nous besoin organiser ville là. De l'autre côté, pasteur Raphaël Mathieu dit qu'il prend distance avec l'idée pour que le premier ministre haïtien, hein, M. Ariel Henry, t'arrête sous pouvoir après 7 février 2022 qui a venu là. Selon pasteur Raphaël Mathieu, il n'y a pas de problème à Kimoun qui a venu monter sous pouvoir dans le pays d'Haïti. Mais depuis Mounsayo qui vient monter sous pouvoir, il y a un bon plan pour le pays, notamment production agricole, et bien il n'y a pas de problème. Ça qui est important pour lui-même, d'après pasteur Raphaël Mathieu, c'est vrai que Haïti rentre dans le concert de pays qui ont même cap développé. Position, pardon, dans l'audette, tu as plusieurs accords. Mais accord, tu n'as pas dit que ça va pas le faire pour pilier les jeunes garçons et jeunes filles qui sont là, qui ne pas travailler, qui ne pas faire rien, qui stratégie, qui philosophie va le faire pour créer un travail pour eux.
Je ne pas dire que ça veut dire pour résoudre le problème d'insécurité qui fait que pas aller même l'église, qui fait que pas aller pièce côté. La paix a tombé aujourd'hui. Écoutez, tout produit pour mes nécessités internationales, ils ont monté le bâton, ils sont très chers. Je ne pas dire que ça veut dire, n'est-ce pas, pour entrer dans la production nationale. Là. La paix a tombé combien là? Combien, qui stratégie, qui philosophie pour nous retourner à la terre, pour que nous produisions la caille, nous, pour nous venir manger et pour nous venir à l'étranger. Maintenant, moi pense que si nous avons un bagage qu'on fait dans le pays 7 février, tu dois gagner tous les secteurs de la vie nationale qui mettent ensemble pour dire que, mais qui solution n'a gagné. Mais solution, il n'est pas pour les qui finissent déjà. Il n'est pas pour un petit groupe de Port-au-Prince. Mais le pays, c'est un pays qui gagne près de 12 à 14 millions de monde qui vivent là aujourd'hui. Merci tout le monde qui te suivre Focus Info et qui en structure, c'est une émission Nord Agence Presse Haïti réalisée pour toute internautio. Et chaque lundi, besoin d'informations locales, nationales avec internationales, eh bien, c'est branché Focus Info. Likely, c'est-à-dire email. Et puis abonnez-le, partagez-le, c'est très important. Et merci tout le monde, c'était moi-même Yvan Martin et Jasmin qui étaient en face où la cap parle avec vous pour NAP Nord, Agence Presse Nord. Sous caméra avec réalisation, il y a Toloma et Narcisse Philomé Toloma, il y a Héroud Koudada, équipe technique la même, il y a la donne Guy Desjoie, Jean-Claude Desjifois. Merci tout le monde, à la prochaine.